Salut à tous, c'est Akosis, on se retrouve pour la suite de notre aventure sur Amnesia. Alors, j'aimerais bien revoir, j'ai pas d'huile, j'ai pas de Tinderbox, ma santé mentale va en prendre cher. On va se dépêcher. On va courir. Voici donc la fameuse roue. Vite, le morceau. Il est là. Et on s'enfuit, vite. Je n'ai même pas regardé, je ne veux même pas savoir ce que c'est. On va peut-être pouvoir... Elles ne tiendront pas ensemble. Alors peut-être que avec... Ah ! Une zone de travail plus adéquate avant que le groupe puisse être appliqué. Je pense que c'est sur le piédestal qu'il faudra que je fasse travailler. Alors maintenant... Ma mission, ça va être de m'enfuir de là sans que le monstre ne me chope. Sachant que je viens de récupérer l'orbe, il risque d'être dans le coin. Et le coup, c'est que je ne sais pas où est la sortie. Alors attendez, par contre, pour Agrippa, j'ai toujours donc la glande de poison et il reste, mais je n'ai toujours pas le sang de torturé. De toute façon, j'ai pas de quoi le prélever. Donc, pour le moment, ça ira. Bon, par contre, faut que je me dépêche. Rien à foutre s'il est là, je cavale. Il est là ! Casse-toi! Je vais juste m'en aller. Pour parler! Pour parler! Ta gueule. Ta gueule, je m'en cogne. Je m'en vais. Ha ha! Ha ha! Je suis pas assez. Ha ha! Connard! Mais pardon. Allez. Je me casse de là vite fait. Je suis sûr que je vais avoir un dernier truc avant de quitter le cœur. Oui. Non. Non. Ah, le retour dans le nef, enfin. Je vais peut-être pouvoir parler à Agrippa, peut-être que lui aura quelque chose d'intéressant à me dire. Et si en fait il fallait que j'utilise le sang d'Alexandre? Eh, c'est peut-être possible ça. Alors là par contre, là il y a bug. Ah, ça va. Ouh là là. Our thing's coming. Incredible. You found Vile's recipe. That there might still be a chance. Listen carefully. Alexander is working on opening a gate, a door to another world. It's where he wants to go. If you could put your anger aside, let him open the portal before you take your revenge. Let me pass the gate, Daniel. D'accord. Please, find the ingredients that prepare the tonic via this climb. And do so before you assemble the orb. The barrier keeping you from the inner sanctum will only be breached for a short time. Unless everything is taken care of before mending the orb, you won't be able to save it. D'accord, donc avant de rassembler... I see that all the orb pieces you need. Oui, ah, putain. I know I have no right to ask anything of you. But if you could find it in your heart to gather the ingredients for Vile's tonic before attempting to mend the orb, there might still be a chance. Ah, ma santé mentale. Oula, j'ai une blessure qui est gravement. Zut, je me suis fumé. Please, my faith is in your heart. Ne t'inquiète pas, je vais t'aider. Ok, donc, il va falloir... Alors, donc j'ai besoin de récupérer le sang. J'ai la fiole en verre. Il faut que je récupère le sang d'un torturé. Où est-ce que je peux trouver ça? Ah, peut-être. Alors ça, je n'y ai pas pensé, mais dans le transept, il y avait ce cadavre qui était en l'air. S'il a été torturé, je peux peut-être en récupérer ce qu'il faut. Alors... Bah, y a plus le cadavre? Y avait un cadavre en l'air? Il est passé où? Attends, je suis pas fou, j'avais vu un corps. Y a plus le corps? Il était enlevé? Oh là 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 là, où est-ce qu'il est passé? Ça me plaît pas. Bon,
Le problème c'est que il n'y a strictement aucun cadavre dans les environs. Je ne suis pas senti le courage de vérifier plus longtemps, mais je n'ai pas vu de cadavre encore en morceaux dans la roue, ni dans les autres zones de torture. Donc il faudrait que je trouve un corps torturé. Mais où ? Les salles de torture sont vides. Je sais, tu viens déjà de me le dire. Attendez, je vais peut-être revoir les notes. Il y a peut-être quelque chose qui pourrait m'aider. Voyons voir les notes agrippalité. Alors. L'essence vitale peut être extraite du sang de n'importe quelle victime humaine torturée. J'ai besoin de grandes quantités pour la distiller. Pour que vous me rappelez, vous la collectez lors de la prochaine session de torture. N'importe quelle victime humaine torturée. Putain, mais je réalise, c'est horrible ce que je suis en train de dire. En fait, je pense que je vais aller dans les salles de torture. Parce que je les avais toutes visitées, il n'y avait rien la première fois, mais il y a des Tinderbox dedans. Je les veux bien. Parce qu'en plus, j'ai eu le cri d'épouvante de la première fois, donc je l'aurais pas une deuxième fois. Voilà, ça me fera un peu de lumière à mettre un peu partout. Toute ma santé mentale, elle est pas... Oh putain, en plus, avec... Il y a ce putain d'effet de... Ah, ça m'énerve cet effet de caméra, là. Voilà, calme-toi. Il y a toujours la femme qui est en train de se faire violer, je ne sais comment, et je ne veux pas savoir comment. Et là, oh, caillou ball. Voilà. C'était le moment à quoi c'est. J'ai hâte de pouvoir m'attaquer à un autre playthrough, honnêtement. Sérieusement, ce sang n'est pas suffisant. Ah non, mais il a dit en grande quantité. Est-ce que tu veux que j'obtienne du sang en grande quantité? Je veux de la lumière. Bon. Ah mais voilà, ça c'est ce que je déteste le plus dans la vie, ces effets de caméra, ça fait mal aux yeux. Et le sang qui était sur l'autel, je peux pas le récupérer? Je sais pas. C'est à voir. Ce serait pas impossible. Il y avait beaucoup de bien. Quelqu'un veut un peu de pain? Il est rassis mais il est bon. Non? Allez vous faire foutre. Alors. Wow. Pourquoi il y a du bruit là-dedans? Pourquoi il y a du bruit dans cette salle? Ça me plaît pas. Oh, un flash. I know this. I've been here already. I know this taste. A taste of Damascus rose. Rose de Damas. They may sweep the traces from my memory, but my body remembers. It's a cut spin folios, even though my mind remains silent. They will be back. Ah, c'est avant qu'ils lui font. They will be back. Ah, c'est donc la rose de Damas, c'est ce qu'ils utilisent pour la potion d'amnésie. D'accord. J'ai rien vu. Ferme-toi. Will Scully, il est là-bas. Quelqu'un veut une pomme? Elle est un peu pourrie, mais elle est bonne. Bon, bah allez vous faire foutre. Non, plus sérieusement, là, j'avoue, je ne sais pas quoi faire. Peut-être que c'est dans les notes. Les notes, voyons voir. Non, peut-être dans les mementos. Agrippa, mélange de trois ingrédients, piédestal et l'or. Bon. Pour ce qui est du piédestal et de l'ambre, pour l'instant c'est en suspens. Donc la note sur le mélange, je l'ai et il faut que je fasse le tonique. Les notes même ça, les journaux intimes de DNA non plus. Début d'épidémie, test de vaccination, l'orbe brisée, note sur la torture. Peut-être les. Non pas les notes sur la torture, ça ne servira à rien. Il n'y a que la note sur la grippe qui peut être utile. Non. J'ai le tempter, limite c'est toxique, mais pas la victime humaine. Où est-ce que je peux la trouver?
Ah puis en plus là j'ai la santé mentale de Daniel qui descend là. Ah, il fait chier ce mec. Mais tais-toi toi. Si vous arrêtiez de chouigner les morts là, ce serait gentil. Voyons voir. Dans le... Alors, je sais pas. Vous savez quoi, je vais faire une courte ellipse le temps d'aller trouver la solution parce que sinon je sens que je vais tourner pendant des heures et ça ne servirait strictement à rien. Et salut à tous et me revoilà, donc ça y est, j'ai vu exactement ce qu'il fallait faire, il faut que je me rende à nouveau dans le presbytérium en fait finalement. Ta gueule Agrippa. Allez, c'est parti. Au passage... Alors, la perle submergée à nouveau. Il cherchait à nouveau la bouteille vide de laudanum. Frustré, il la brisa contre le pied du lit. Ah, à la base, c'est vrai que le laudanum, c'est une drogue. En fait, c'est un drogué. Trololol. Alors. Aïe. J'ai vu la solution, je tiens à le préciser, et ce qui va suivre ne va pas me plaire. Soyez gentils. Dormez. Putain, j'ai quand même fermé la porte. Il a réussi à me taper à travers de la porte. Dormez. C'est vrai qu'on est en train de me traîner quelque part. Je ne suis pas une traînée. Oui, par de Scheherazade. C'est quoi ce délire? Oh, m'en fous. Ah, j'ai regagné un peu de la santé mentale. Alors que je viens de me faire défoncer par deux, petites Eva Jolie. Salut, t'es sexy tu sais. Je te jure, je vais voter pour les Verts à la, aux prochaines élections. Oui, oui, tout à fait. Ne m'en veux pas, vraiment. Bon. Je suis donc dans une cellule. Génial, ils auraient pu me tuer, non, dans la cellule. You had me worried. Quite frankly, I'm not... Ah, de l'huile. Alléluia. Je sais pas où je suis. Ta gueule, Alexandre. Alors, memento. Trouvez un autre moyen de sortir. Qui veut un trip SM avec moi? LOL. Trip SM? Non, personne. Ah! Quelques briques sont desserrées, mais elles ne peuvent pas être enlevées à la main. Non. En lançant la table. Comment je pourrais les enlever sachant que je n'ai pas de... Oh, ah, excusez-moi, j'ai oublié d'enlever... Allez. Qu'est-ce que c'est que ça? Allez. Ça aussi peut-être. Oh non, ça m'a cassé mon marteau et mon ciseau. Wow. Voilà. Non, je reste dedans. Je reste dans ma cellule. En plus, c'est relativement éclairé, si c'est plutôt sympa quand même. Je vais pouvoir... Wow. Ah, peut-être que c'est ici que je vais pouvoir trouver ma victime humaine. Ah, il y a une note dans cette cellule. Alors, on va bien fermer la cellule, histoire de pas se faire attraper par quoi que ce soit. Sans jamais. Alors, dernière note de prisonnier. Il n'y a plus grand-chose à dire. J'écris seulement pour m'empêcher de repenser aux souvenirs de ces derniers jours. Si je suis chanceux, je m'endormirai et le temps passera sans effort. J'ai commencé à m'habituer à ma prison. Lorsque je suis arrivé ici pour la première fois, je me suis senti comme si l'on m'avait enterré à l'intérieur d'un tombeau. Maintenant, je sens que la proximité de ces murs me conforte. Tant que je suis ici, il n'y a pas de douleur. Les murs me protègent de l'extérieur. J'ai même ri un peu plus tôt, lorsqu'un de mes gardiens a laissé tomber une clé sur les tuyaux. J'ai eu de l'espoir pendant une seconde, en pensant que je pouvais m'échapper, si seulement je pouvais l'atteindre d'ici. Dans mes rêves, Alexandre, je suis roi. Dans mes rêves, je suis bien meilleur que toi. J'échappe à tes pièges et je reviens avec tous les chevaliers du royaume armés de pistolets et des sabres. Dans mes rêves. Alors donc, le tuyau. Dans le tuyau, il y a eu une clé qui est tombée. Ça, oh, un espèce d'insecte là, bizarre. Alors donc, là, dans les tuyaux, il y avait une clé, olé, olé. Wow, elle a bien été défoncée cette cellule-là. Il y a quelque chose dedans. Wow, ça se quoi là?
Oh putain, connard, tu m'as fait peur. Coucou. Mmh. T'es beau toi. Bon, alors... C'est bien les cadavres qui apparaissent comme ça d'un coup. Nickel, pas de problème. Eh, c'est peut-être, ce sera peut-être ma victime humaine dont je vais avoir besoin. Alors, et dans cette cellule, est-ce qu'il y a encore quelque chose qui va me tomber dessus? Oui, non. Un seau en bois. Et une boîte d'amadou. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'un seau en bois? Ah, du laudanum. Ma bonne petite drogue. Alors. C'est la bouteille. Du vin. Exquisite, mon chat. Non. Ah, qu'est-ce que c'est que ça? Il y a une clé dans le tuyau, mais impossible de l'atteindre. Bon, monsieur. Allez. Bam! Non, bon, peut-être le vin. Pouvoir du vin. Oh, ça crie en bas. Hein. Oh non! Comme un con, j'ai épuisé toute le... Oh non! Ah! Oh comme un con, j'ai utilisé toute ma réserve. Ah, son en bois. Peut-être que là, il va m'être utile. Alors, comment ça va mettre ça là? Peut-être qu'il faut que je mette le son en bois là. Yeah! Je sais pas ce que je vais y choper dedans, mais... Qu'importe. Voilà, je dois remonter. Qu'est-ce qu'il y a dans le seau maintenant? Un seau d'eau. Bon, il y a de l'eau. Déjà, si je dois ramasser de l'eau, c'est que ça va en avoir une utilité. Bon, je ne peux pas avoir la clé pour le moment. Fermer à clé. Trouver une clé pour ouvrir la porte maintenant hors de la zone. Bah, elle est là, mais elle est inaccessible. Une clé dans le tuyau, mais elle est impossible d'atteindre. Oh oui, le seau d'eau. Voilà. Et voilà. Clé rouillée. Oh, et le seau est devenu inutilisable. Alors, hop, dégage. Et voilà. Non. J'en reste dedans finalement. Oh non. Non, 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 je vais pas dedans, je vais pas dedans. En tout cas, c'est beau quand même. Si on oublie que c'est une prison, c'est plutôt bien designé. Ça fait un peu vieille petite usine. C'est plutôt pas mal. Par contre, alors attendez, j'ai toujours le... Il y a une corde. Mais à quoi va me servir? Il n'y a pas moyen de récupérer son sang à lui. Tu veux un nonos? Non, bon. Peut-être deux sauts de goudron, je peux t'en goudronner? Non. Peut-être en te malaxant, peut-être que... non, ça fait strictement rien. Bon bah, tant pis. On va devoir y aller. Ouh. Go. Rien à foutre, rien à foutre. Rien à foutre, j'ai dit. J'ai dit que je n'en ai rien à foutre. J'ai dit que je n'en ai rien à foutre. Je sais pas s'il y a quelque chose qui me poursuit ou pas, je n'en ai rien à foutre. Rien à foutre, rien à foutre. Mon dieu, je sais pas ce qui se passe, mais je n'en ai rien à foutre. Je n'en ai certainement rien à foutre, 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 rien à foutre. Attends, il y a l'eau maintenant. Il y a quelque chose qui me suit. Il y a quelque chose qui me poursuit. Parce que je sais pas ce que c'est. Non. Non. Mon dieu. Mon dieu. Le nef? Comment ça le nef? Je retourne dans le nef encore? Oh mon dieu. Mon dieu. Mon dieu. Ah. Bon. Vous savez quoi? On va s'arrêter là. Parce que je suis pas bien. Je suis pas très bien là. J'encaisse encore le truc. 5-6 donc pour la suite de notre aventure sur Amnesia. N'hésitez pas à vous abonner et à me manger sur Facebook. Moi je vais aller me prendre du sucre et je vais aller faire un peu de yoga. Bye.